Salut, c'est Kalyana. Et non, maman, vous devez entendre ma voix puisque j'ai le nez collé au micro. Ben voilà. Donc, on retourne sur Assassin's Creed. Et je voulais vous poser une question. Le 14 novembre, il y a Elle est Noire qui sort, donc je vais le prendre sur Twitch. Est-ce que vous voudriez que je fasse du Elle est Noire sur ma chaîne? Parce que c'est un jeu que j'adore. Je l'ai fait sur PS3 à sa sortie, je sais pas quelle année il est sorti. Et là, je m'y repousse sur Twitch, donc dites-moi sur les commentaires si vous voulez que je fasse du Elle est Noire ou pas. Donc, on reprend Assassin's Creed. Alors, la première épreuve des dieux est disponible. L'épreuve d'Anubis est accessible pour une durée limitée. Affronter cette divinité, vous recevrez peut-être un élément de l'ensemble d'équipement d'Anubis. C'est intéressant, ça. Alors. Bon, mais c'est niveau 40, je suis pas au niveau 40. Donc, on va faire la hyène, qui est niveau 21. Merci. C'est juste à côté, c'est là. On va reprendre le chameau. Oh, les coups de boule dans la roue. Oh, oh. Le grand sphinx. C'est ça. Plus petit que je ne l'imaginais. Si je veux débusquer la hyène, je dois aller parler à Mered, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Il est où le sphinx? Bah, je suis de côté, je sais pas pourquoi. Pardon. Je sais pas, il y a des mecs qui sont énervés d'un coup. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. C'est très moche. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Alors, payer mes rêves pour en attendre plus sur la hyène, sans vrai. Tiens, tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches.
Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à le servir. Donc la hyène, c'est une femme. C'est ça. Le mec, il veut me piquer 100 euros. Et en plus, il veut que j'aille chercher son cheval. Attends, attends, c'est ça. Ah merde, j'ai raté. Non, je veux pas monter sur ça, je vais monter sur mon cheval. Bon, allez, les gars, on y va. Tu as un ami de Mered? Bon, c'est pas grave, on va passer à la manche. T'as pas à conduire, toi. Je suis allé là. Quoi? 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 Pas vite, hop. Voilà. Voilà. Là, il y en a un qui est un petit peu de vie. Voilà. Bah, il y a du monde ici, il y a un peu parfait. Il y a un truc intéressant. Monsieur, je me plante. Voilà. Bon bah apparemment on a tout le monde. Je vais devoir être prudent. Bien, commençons par le début. Non, non, c'est du calme. Bon, ça commence mal. Il y a les mecs de l'autre là qui sont venus foutre le bordel. J'ai la cible.
Voilà pourquoi j'aime pas y aller avec des mecs au pif là. Ah, là il m'a vu. Nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien. Et à Gizeh, rares sont ceux qui payent. On ne peut faire confiance à personne. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme Kalisset. Nous irons les nourrir, les hyènes. Si nous parlons. Allez, ouvrez l'œil! Il faut qu'on retrouve ce cheval. Oh. Je me suis pris la troisième corde. On va monter. Putain, les mecs, quoi, essayez d'être discret. Voilà pourquoi je préfère y aller toute seule. Il y a des mecs qui se massacrent pour sa discrétion de vie. Le mec qui tire sa flèche complètement au pif. Eh, hey, vise! Comme ça. Je sais, c'est en train de ramener tout le monde. Oh.
Non mais, c'est pas le moment de se planquer. Bon, j'ai tué le commandant, j'ai tué le capitaine. Non mais, à distance. Le cheval est là. Là, il y a un équipe. Voilà. Soit on ouvre la porte. Voilà. On élimine les bandits. On récupère les trucs intéressants. Mais chute, hein. Ça, vous voyez, c'est la technique de la brochette. Voilà. Bon. Par contre, où est le trésor? Le truc est en bas. Bon, c'est la discrétion. Là, je l'ai raté en passant. Ah ouais, il a un peu. Les mecs qui sont bien à faire, dépendamment. Ah, niveau. Allez, on remonte. On va récupérer le cheval, on va lui ramener. Et il va me rendre les 100 euros que j'ai pas fait.
elle est maintenue. Le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Putain, le mec, il est monté avec moi, quoi. Ah, mais ça va, Ils ont la belle vie, les mecs. Hein. De dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Donc le mec nous fixe un gros. Ça, c'est pas son cheval. Et en plus, il me laissait grandeur dans les pattes. Bon. On va aller courir cette petite indienne. Bon, allez. Voilà. Elle est là. Allez, c'est parti. Ah, on peut pas avoir la paix, hein. Tiens. Ah, il m'a fait tomber. Retenez l'ennemi. Je dois partir. Oh là là, là 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 là. Ah, mais bouge! Débarrasse de lui d'abord. Oui. Voilà, déjà de 1.
Ah, tu barres pas là. Alors j'ai un pont à mettre. J'ai deux points d'aptitude. Et de mettre distrait. En l'absence de détection, ceci va être intéressant. Voilà. On va te pousser. Non, ça va être ici. Ça, ça serait intéressant. Tout en dessous d'eau. Bon. Attendez, apparemment je peux construire quelque chose. C'est quoi? Non, je ne sais pas ça. Par contre, j'ai toute ma vie à fond. Ah, rien de... Donc il n'y a pas de garde, mais c'est une hyène. Oh, une hyène. Oui, donc il n'y a pas de garde, mais apparemment il y a beaucoup d'hyènes, mais ça me fait.
Voilà, mais ça c'est cool. Alors, fouillez dans le tas de qualité pour découvrir où elle est. C'est la tanière de la hyène. Il n'y a aucune trace de Calicette. Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. À peine de crier comme ça. À l'aide! À moi! Au secours! Non! Ne la laisse pas m'emmener! Il aurait été gueulé, c'est ça. Je ne veux pas mourir! Medjay, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle? Je ne sais pas, je... Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenés où? Elle va les tuer. Je le sais, elle... Elle... Ses mains, par les dieux. Elle a tant de sang sur les mains. Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calicette. Où Calicette emmène ses captifs? Et pourquoi? Dans la grotte, il y a une grotte. Quelqu'un, une lettre. Elle porte le symbole du serpent. Calicette est clairement liée à l'ordre. Et l'ordre ignore qu'elle s'est gardée un peu de silice. Pourquoi a-t-elle pris le risque de le trahir? Alors, message à Calicette. Calicette, cela fait longtemps que nous sommes sans nouvelles de toi. Nous attendions à recevoir plus de reliques. Aucun des objets précédents n'était utilisable. Je t'ai fait parvenir plus de drogues au cas où tu devrais accueillir des objets sur le marché. Nous préférons éloigner les soupçons jusqu'au moment où nous pourrons nous dévoiler. Si la silice manque comme tu le prétends, nous devrons nous mettre en quête d'un autre lieu. Nous te chargerons de le trouver. Fais-nous parvenir ta réponse par les moyens habituels, le serpent. C'est ici que dormait Calicette, à l'abri des tempêtes de sable. Des lotus de la Renaissance. Elle ne les a pas cueillis pour rien. Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs? Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Alors, dessin de Calicette. Un dessin de la grande pyramide de Khéops, probablement de la main de Calicette. Son attention semble avoir été attirée par quelque chose situé sous le tombeau. Tournoyer le sable. Oh.
Je me rappelle des hyènes, déjà. Les hyènes. Kali 7 doit être à l'intérieur. C'est bon, tout le monde est mort. Toi, qui ose entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle. Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen. Mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. On va allumer. Allume. Ah, allume. Voilà. Voilà. Je ne peux pas être par là. Je vais aller voir en bas, elle est en bas. Non. Bon. Ça y est. On va pas trouver. Non. C'est par là au début, il y avait un passage. Par là. Pauvre idiot, je suis Izette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer?
Va-t'en ! Nul ne doit déranger Osiris ! Cette porte piégée, qu'est-ce qu'elle protège ? Mécréant ! Celui qui est éveillé dort ! Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides ! Oui, dans une vidéo précédente, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Maman, il est là. Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Yen? Je prends ça. Ah, moi, les trucs qui brillent, je prends. On va éviter de marcher là-dessus. Hein. À quelle horrible folie s'est-on livré ici? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux, quel genre de rite peut-elle exécuter? Les offrandes à Osiris, le protecteur des morts. Encore chaud. Et ce couteau cérémoniel. Un sacrifice. Je vais peut-être éviter de marcher dessus quand même. C'est Calicette qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens? Elle essayait de faire revenir quelqu'un. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Je crois avoir compris ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici? Ah, elle a raison. Ouvrir le sarcophage. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je sais pas si vous avez vu la momie, mais faut pas ouvrir les sarcophages. Hein. Bon, allez. Un enfant. Mon enfant!
Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre. Ravagez ce tombeau ! Calicet ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré ! Je suis une bonne mère. Aya ! Tu ne peux rien contre moi, chien ! Alors, tu es Calicet et la queue de tombeau. Ceux qui t'ont précédé. Oula. Tiens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Bah, mène-toi, viens, on va se battre. Oula. Je peux te planquer là. Viens te battre. Ça tombe bien, vas-y. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. C'est vénère, hein. Voilà, barre de vie. Allez, voilà. Tu cherches à accomplir l'impossible, Calicet. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Bonjour. Je suis venu pour toi hier. Inutile de mêler les dieux à ça. Tu vas connaître le même sort que tous les autres intrus. Tu mourras de ma main. La hyène est quand même niveau 28, hein. Ah, elles sont cassées, c'est bien. Hey. C'est ça, tu ne fais même pas de dégâts. Allez,
De te barrer aussi. On voit rien du tout. Ah, j'ai fait une case en plus. Et voilà. On ferme la main. Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non. J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois j'ai échoué. Osiris! Accorde-moi ces retrouvailles! Elle marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate. Je veux retrouver ma fille. Pitié. Ta fille dans l'autre monde, Calicette. Puisse le seigneur de la douate te guider.